Si on me demande encore aujourd'hui quel est mon métier idéal, je réponds contrebandier. À cause de ce qui allait avec, surtout à cette époque. Les soirées, l'argent, mais aussi l'adrénaline. C'était excitant. Paul Meyer était à la tête d'un réseau de contrebande. Il était payé par les trafiquants pour faire entrer leur cargaison de drogue en toute sécurité dans le port d'Anvers. 20 ans de vie criminelle. Je sais que les gens ne veulent pas entendre ça. Ils s'attendent à ce que je dise que je regrette et que je ne le referai plus. Mais je vais être honnête. C'était génial.